bonjour à tout le monde. Je suis heureux. Donc, moi, je m'appelle Yves de Peretti. Je suis réalisateur, membre des ateliers Varan, et je vais essayer d'animer cette soirée dans laquelle on va réfléchir et discuter à la fois de cinéma documentaire et comment le cinéma documentaire documente l'histoire d'un pays. Mais je vais peut-être commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, par dire deux, trois mots sur ce que sont les ateliers Varan. Donc, c'est une école de cinéma, on va dire, non universitaire, non académique, qui a été créée par Jean Rouch il y a un peu plus de 40 ans maintenant. Et le but des ateliers Varan, c'est de former dans des temps extrêmement rapides et courts, par la pratique, des cinéastes, essentiellement à l'origine, dans des pays où il n'y avait pas d'école de cinéma. C'est-à-dire que le cinéma était autrefois, enfin, dans cette époque, il fallait passer par des écoles. Donc on faisait ces écoles en France, à l'IDEC, aux États-Unis, à Londres, en Russie, à Moscou, etc. Et donc l'idée de Rouch, qui était une idée très généreuse, c'était que effectivement tout le monde pouvait apprendre assez facilement à faire du cinéma. Le cinéma ne devait pas être réservé à une élite de gens passés par des écoles, mais qu'il fallait aller sur place l'apporter. Alors, c'est comme ça que sont nés les ateliers Varan, donc qui ont monté un certain nombre d'ateliers dans le monde entier depuis un peu plus de 40 ans. Un peu au hasard comme ça de croisement, de demandes du ministère des Affaires étrangères, enfin de certains personnages, parce qu'évidemment il fallait trouver les financements. Donc il y en a eu en Amérique du Sud, Bolivie, Mexique, il y en a eu en Afrique, dans les premiers, Kenya, Afrique du Sud, etc. Et il y en a eu en Asie. Alors, ça, c'est l'origine. Les ateliers Varan Vietnam, c'est né d'une volonté de Sylvie Gatmer, qui va nous rejoindre tout à l'heure, hein, qui a eu cette idée. Alors, elle avait travaillé, il y a eu un atelier par exemple, qui s'est fait, je crois que c'est en 1998, au Cambodge, à l'initiative de Riti Pan. Riti Pan, c'est ce grand cinéaste cambodgien dont les parents avaient été victimes des Khmer Rouges, avait le désir de faire il avait commencé à faire des films en France, mais il avait le désir de faire des films dans son pays, et il voulait former une équipe, c'est-à-dire des gens qui soient évidemment des compatriotes, qui comprennent la langue et qui comprennent la culture. Donc il a demandé aux ateliers Varan de venir faire un atelier, comme on le faisait, enfin comme les ateliers Varan le faisaient à droite et à gauche, pour former sa propre équipe. Et il se trouve que Sylvie Gatmer, donc qui est d'origine, qui est franco-vietnamienne, qui est une monteuse et réalisatrice, mais essentiellement une grande formation de monteuse, était allée là-bas pour monter les films. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit, ben, pourquoi on ne montrait pas des ateliers au Vietnam. Et donc qu'elle a créé ça, mais peut-être que Tao peut en parler, parce que tu le sais presque mieux que moi, tu connais mieux l'histoire, hein, peut-être. Moi, je n'ai pas participé au premier stage en 2004, mais j'ai entendu parler que Sylvie Gatmer-Tien a trouvé la complice avec une autre monteuse qui s'appelle Emmanuel Baud, dont les parents étaient diplomates. Et du coup, elle a vécu au Vietnam. Donc, du coup, jusqu'à. Les deux ont mis, je crois, 2-3 ans. Pour la préparer et pour trouver les financements auprès du ministère des Affaires étrangères, auprès de la fondation Ford, qui commençait à être très présent dans la région à cette époque. Et en fait, je crois que je ne sais pas, Sylvie Gatmer va dire mieux que moi tout à l'heure, mais je crois que la volonté vient du fait que on avait très peu d'images de la société contemporaine du Vietnam à l'époque. Les images liées
connue du Vietnam, c'est quand même étroitement lié à la guerre, d'où cette envie en fait de redécouvrir le pays à travers un atelier et en faisant l'atelier avec les gens. Les gens sur place. Et Lê était journaliste à la télévision nationale basée à Da Nang. Et les formateurs, les sélectionneurs se sont déplacés jusqu'à Da Nang en fait, pour faire la sélection. Et Lê va parler peut-être de son première expérience pour introduire le film que vous allez voir. Voilà, donc elle va prendre un micro. Alors, Lê, effectivement, fait partie du premier atelier. Peut-être vous pouvez nous dire ce que vous avez, comment ça s'est passé, ce premier atelier, cette équipe qui venait avec des formateurs français, donc qui ne connaissaient pas. Richard Coppens, je crois, était là au début. Il avait lui-même accompagné Robert Kramer au Vietnam avant. Mais comment ça s'est passé et comment elle a vécu cette formation par les ateliers Varan? Hello, everybody. Thank you for coming. I was a journalist of Vietnam television at that time and even now. And in 2004, Richard Coppens and Chương from the National Studio of Documentary in Vietnam came to choose the participant for the first workshop of VARAN in Vietnam. And I remember that at that time, I and three of my colleagues, all of them are very experienced, and only me, I was very young, and I didn't have any experience in filmmaking. And then everybody think that I will be out. But finally, they chose me. They chose me, and I was very happy to join the first workshop of VARAN in Vietnam. And at that time, the direct cinema was very new. Before, we just watched the films that made by the state and made by the television. We learned about the Vietnam War. Even many people ask me that, are you a documentary filmmaker? So documentary means black and white films on TV? Oh, it's boring. So we came to the first workshop and we learned direct cinema and how to tell the story about how to tell the reality in Vietnam. And I remember that in the first workshop, I met a little film about a young boy who tried to be a young businessman, and he wanted to be a billionaire. And you see that in 2005, it just 30 years after the war, after 1975. And André Van In, who was a consultant of the workshop, and our teacher saw that it was a nice topic because it showed that the young generation in Vietnam try to enrich, try to earn money, and so we firstly I contact with the character and I saw that he wanted to be a billionaire and it's nice and a nice topic. Then I enter his life, and after that I filming a lot of footage, and I discover some other aspect of him that not nice. And I was so disappointed because we used to look at the characters as heroes in the propaganda film before. You know that in documentary in Vietnam,
always have the heroes of the Vietnam War, and we see only the good aspect of them. Then with this character, I was disappointed, and I didn't want to make the film anymore. Then Andrei Vanin told me that he's a person with, and you know that a person always has a black and white, only good and bad, always good and bad, and so accept him as a human being. So it's my first lesson with direct cinema, and it influenced to all the films I met after that. C'est juste pour éclaircir en fait le film, c'est que les affaires du personnage dont parlait Lay, il faisait fabriquer en fait des souvenirs d'artisanat, et il employait les handicapés, voilà. Donc et Lay a découvert en fait que c'est pas un acte bienveillant. Il a de l'exploitation aussi de la part du personnage. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été déçue. Elle a voulu rompre le tournage. Voilà. C'est juste une précision. Donc, voilà. C'est moins abstrait. Les a bien raconté comment cette pédagogie des ateliers Varan, c'est d'essayer qui est tout à fait à l'opposé d'une technique journalistique, mais qui est celle du cinéma direct, c'est-à-dire qui est en fait un apprentissage assez compliqué, parce qu'il s'agit de raconter l'histoire sans les béquilles habituelles des cinéastes, c'est-à-dire le commentaire surplombant, etc., ou les interviews, mais de trouver les situations pour que l'histoire se raconte, et trouver la dramaturgie, construire une dramaturgie pour raconter et entrer dans la complexité des personnages. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les films ne soient pas ni blancs ni noirs, mais montrent une sorte de complexité. Et donc c'était ça, et c'est ça, je trouve, qui est très intéressant dans le témoignage de Lay. Alors ça, c'était le premier atelier. Alors il y en a eu, ça a eu beaucoup de succès, hein, à ce qu'on disait tout à l'heure, ça a eu beaucoup de succès, et il y a eu toute une série d'ateliers, c'est-à-dire l'année suivante à Ho Chi Minh Ville, et puis il y en a eu plus tard à Da Nang. Mais alors il y a eu donc ces ateliers qui étaient des ateliers de réalisation, on va appeler premier niveau, qui étaient des ateliers d'initiation pour des jeunes réalisatrices ou réalisateurs. Et ensuite, il y a eu des ateliers de perfectionnement. C'est-à-dire qu'on a parlé, Lay a évoqué le nom de André Vanin. Malheureusement, il n'est pas là parce qu'il est décédé il y a quelques mois, mais il s'est vraiment beaucoup investi dans ces ateliers, et il les a reconduits d'année en année. Et l'idée, c'était qu'après les premiers ateliers, il y avait des qui donnaient lieu à des courts-métrages d'à peu près une trentaine de minutes. Il pouvait y avoir dans un deuxième atelier ou un troisième atelier des films plus longs, des longs-métrages. Voilà. Et donc, on va voir le film qu'on va voir, peut-être pour vous donner un peu une idée plus concrète. C'est le film qui a été fait donc par Lay dans un deuxième atelier. Je crois que c'est en 2009. En 2009, voilà, où d'ailleurs, je crois que c'était le titre, le thème général, parce que dans cet atelier, il y avait un thème, c'était « En quoi croyons-nous aujourd'hui au Vietnam ?» C'est ça ? C'était ça. Alors, je propose qu'on voit le film, parce que ça va éclairer, peut-être lancer notre débat, et on va pouvoir discuter ensuite avec de comment ça a été reçu dans le pays. Voilà. Alors donc là, on a deux des encadreuses, si je puis dire, de l'atelier, plus la réalisatrice. Donc on va pouvoir parler du film. Mais peut-être je vais donner la parole d'abord à Pascal Bourdeau, qui était là, qui a été là, je crois, la première diffusion du film, pour nous parler de la réception de ce film-là, et puis peut-être d'un certain nombre d'observations qu'il a à faire sur le film. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui. Donc, j'interviendrai en tant que chercheur, historien qui travaille sur le Vietnam.
Donc j'appartiens à l'école pratique d'hautes études. On a évoqué la figure de Jean Rouch, c'est son institution d'origine, puisque c'est là, dans cette institution, que la première chaire d'études de l'anthropologie du visuel a été développée. Et c'est avec plaisir que je fais la rencontre de Lé et que je retrouve Tao après un certain nombre de quasi décennies. On a évoqué un petit peu le passé, les origines aussi du cinéma à Hanoï. En quelques mots, donc j'ai eu l'occasion, j'ai fait partie des quelques privilégiés à avoir vu ce film à Hanoï en 2011, je pense, dans un cadre très particulier. À cette époque, un certain nombre de personnes dans la salle étaient aussi, je pense, présents. Nous participions à une université d'été qui a été organisée pendant plus d'une quinzaine d'années au Vietnam, les Journées de Tam Dao, qui était une université où se retrouvaient des chercheurs en sciences sociales, en sciences humaines, qui travaillaient sur le Vietnam, mais aussi qui venaient du Cambodge, qui venaient du Laos. Tout ça avait été organisé par Stéphane Lagré, soutenu par l'AFD, par l'Académie des sciences sociales et par un certain nombre d'universités vietnamiennes. Et chaque année, en fait, nous travaillions sur des thèmes particuliers, à la fois sur le plan théorique et sur le plan de la recherche pratique. On partait dans des villages pour enquêter, notamment sur différents sujets. Et à cette occasion-là, donc, à Hanoï, dans les locaux de l'Académie des sciences sociales, nous avons été, je pense, à peu près une centaine de chercheurs et de stagiaires de l'époque, à visionner ce film qui, pour moi, je l'avoue, a été un choc. Et j'exprime toute mon admiration à Lé d'avoir pu vraiment réaliser ce film, parce que nous qui travaillions en sciences sociales, en étant confrontés aux autorisations pour pouvoir travailler dans les villages, se confronter à ces murs d'autorité, d'autorisation pour pouvoir travailler un petit peu sur des sujets, de voir ce film et de ressentir de façon si puissante le Vietnam authentique sous toutes ses facettes était vraiment un tour de force. Et c'était, je pense, vraiment un moment assez exceptionnel, parce que pour ceux qui connaissent le Vietnam ou ceux qui y étaient à cette époque, le Vietnam était, et encore aujourd'hui, traversé par des conflits de terres extrêmement insolubles. Et de pouvoir filmer sur ce thème, qui était un thème quasi transgressif, mais avec une intelligence, avec une sensibilité qui permettait de transmettre un message sans rentrer dans une polémique politique, mais au contraire de produire un film qui permettait de montrer la situation et à chacun de se faire sa propre opinion était vraiment un tour de force. Et du point de vue de la pédagogie et de la méthodologie, c'est ce que, alors des anthropologues qui devraient être là en auraient beaucoup mieux parlé que moi, mais c'est précisément ce que l'anthropologie ou la recherche de terrain cherche à montrer. Ne pas prendre position et de montrer en fait le jeu des acteurs, de pouvoir analyser la gestuelle, de pouvoir analyser le discours, de pouvoir analyser en fait ce qui se passe, sans avoir aucun a priori idéologique. Et ça, c'est vraiment un travail qui était vraiment formidable lorsqu'on a pu voir ça. Je ne veux pas monopoliser la parole, juste quelques éléments, disons, sur ce film qui pourrait être l'objet vraiment d'une analyse approfondie. Moi, je vois trois pistes sur lesquelles on pourrait vraiment analyser et comprendre un petit peu ce film. Le premier, c'est peut-être la lecture la plus accessible ou la plus évidente, c'est celle de la lecture politique, de voir en fait à travers un conflit ce qui se passe entre les différents acteurs, les villageois, les villageoises, les paysans, les personnes âgées, des personnes qui ont vécu la guerre. Et on est dans une région très particulière, on est dans le Quang Nam, on est dans cette région qui a été le premier lieu d'accès de tous les étrangers, le lieu où sont arrivés les Américains à partir de 1965, quand la guerre du Vietnam a vraiment éclaté, et qu'on voit tout ça en arrière-plan, la compréhension finalement de ce combat qui a été mené par cette population, dans un premier temps pour garder sa terre, qui était la terre de la patrie, avant d'être la terre personnelle. Et ensuite, on rentre donc dans ce jeu avec les autorités locales, avec les investisseurs qui arrivent, et cette recherche de faux compromis pour expliquer qu'en fait, le développement intéressera tout l'ensemble de la société et l'ensemble du pays. Et on voit précisément ce qui se joue dans cette tension extrêmement puissante que l'on voit, mais aussi, et ça c'est quelque chose sur lequel je veux revenir, c'est l'importance de l'humour dans la culture vietnamienne, dans la façon de déminer constamment en fait, des conflits à travers une pirouette qui permet de dire
Je sais, on comprend tout ça, mais est-ce que finalement, il n'y a pas autre chose de plus important? Donc, on ne rentre pas dans le conflit, on rentre toujours dans un jeu qui est extrêmement subtil, qui fait que ce film nous fait percevoir un deuxième niveau, qui est celui de la lecture culturelle. Le film nous permet de voir, pour ceux qui connaissent le Vietnam, tous ces jeux, justement, ces particularités. À nouveau, on est dans une région très particulière. Je pense qu'une grande partie des gens qui sont présents, même les Vietnamiens, ont eu des difficultés à comprendre le vietnamien, parce que c'est une forme très dialectale, c'est une forme paysanne, qui, là aussi, du coup, montre l'importance de capter ces éléments de culture qui sont de la vie quotidienne, que l'on voit très peu dans des documentaires officiels, on va dire, mais qui aujourd'hui, et c'est le troisième niveau, c'est la lecture historique, c'est qu'aujourd'hui, on en arrive, après avoir analysé le réel et la société actuelle, de produire des sources visuelles qui vont devenir des éléments d'analyse historique. Ben merci, Pascal, pour cette analyse brillante. Moi, il y a plusieurs scènes extraordinaires dans ce film, notamment cette scène où il y a la réunion avec les membres du parti et puis les villageois, hein, avec un moment très particulier où tout d'un coup il y a un silence total. C'est un moment de cinéma extraordinaire. Hein, il y a le silence se fait et on a des plans sur les visages des différents protagonistes. Avant que le responsable local du parti reprenne la parole. Donc je trouve cette scène absolument magique. Mais je voudrais demander peut-être aller nous expliquer un peu peut-être les difficultés. Alors c'est un atelier qui a été fait sur un temps un peu plus long. Peut-être on en reparlera après. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés avec les uns et les autres, qu'on voit que vous êtes du côté des villageois, et comment les autorités ont accueilli le film? Thank you. It was 2008 when I when the golf course started to be built in Vietnam, this golf course is 15 kilometers far from Da Nang, where I based, and when I passed it, and I remember that. The name of the commune is Điện Ngọc. Điện Ngọc was a heroic land in the revolution in Vietnam during the Vietnam War. And before I read a short story about seven heroes of Điện Ngọc, and I was very impressed in my childhood. And in 2008, when I passed it and I saw the golf course, it was a shock to me. And I wonder that what my childhood heroes are doing here. And this golf course is for whom? For them, no, of course. So it's the first idea that led me to come to the village and research. And this why this film. With the meeting, I was a journalist of VTV at the time, so it was easy for me to, with my press card, to come and to film the meeting. But in the beginning, when I came in, and the official you saw him in the film, he came to ask me that. Who are you and where are you from? And then can you show me your press card? When I show him and he said, okay, just tell the reality, the truth. Yes, so I was happy with that. So I follow the meeting from the beginning to the end, and at the end, he came to me and he said that, it's good that you stay until now, because you see that how difficult we are working with people. okay. So in Vietnam, in such subjects, if you don't have a press card, you cannot make a film. Mm.
Merci. Peut-être que Tao, tu pourrais parler un peu des souvenirs que tu as, puisque tu encadrais l'atelier aussi, de parler de cet atelier, de la façon dont le film s'est construit. Oui, alors c'est un atelier particulier qui a duré... qui a duré sur un an. Donc, derrière, en fait, ce film est caché. Le travail très important du formateur André Vanin. Parce qu'en fait, c'est que... je suis tout à fait d'accord avec les analyses brillantes de Pascal. Grâce à ces analyses, du coup, en fait, toute la force de la réalisation de Lé, mais aussi du langage cinéma... qui se révèle à nous. Parce qu'en fait, comme Léa a dit, elle est journaliste. Donc du coup, elle avait aussi tendance à traiter le sujet. Et si tu traites le sujet comme un journaliste, du coup, toute la finesse et le côté politique et que le film finalement appartient non seulement aussi à ses habitants, mais aussi à tous les citoyens vietnamiens. On ne va pas avoir... cette perception et que moi je trouve qu'en regardant le film aujourd'hui, le film vieillit pas, voilà. Et je me souviens des discussions entre André et Lé, par exemple. On dit Lé, essaye de filmer aussi la vie du village, et c'est la plus grande difficulté de Lé. Ah bon, comment je dois filmer le réveil du village, le silence et cette scène d'ouverture magnifique, en fait, qui raconte tout, quoi. Qu'est-ce que c'est être exproprié, puisque pour pouvoir, une vieille dame comme ça, pour pouvoir élever sa vache, il faut qu'elle parcourt, je ne sais plus, la mémoire peut-être n'est pas... pas très exact, tu vois, mais 5 kilomètres, 7 kilomètres, 10 kilomètres. Et je me souviens aussi d'un tournage très, très drôle pour raconter, en fait, c'est que l'évolution de la société vietnamienne entre une société très ancrée aussi dans la culture agricole et que tout d'un coup, cette... invasion des investisseurs étrangers, cette globalisation, le monde des riches, mais le monde pas que des riches vietnamiens, le monde des riches en général qui débarquent dans ce village, dans cette culture traditionnelle, c'est aurait pu aussi raconter à travers en fait un autre personnage qui n'est pas dans le film, qui est un fermier. Qui a une relation très personnelle avec son buffle qui... Un buffle qui a l'âge de 30 ans et que pour pouvoir raconter en fait, voilà, et que Lé n'a pas pu, le fermier il était fier, il voulait raconter que nous on possède cette terre, puisque non seulement on a défriché, mais la preuve, voilà, mon buffle, je ne sais plus si 30 ou 40 ans, et en fait c'est que Lé n'a pas pu filmer le buffle parce qu'il était tellement contre la caméra et que Lé a dû même se planter dans un arbre pour voilà. Donc je me souviens encore de, donc du coup en fait c'est pour les cinéphiles, il y a un film qui va vous parler, c'est Au hasard Balthazar, comment raconter le destin en fait d'un être humain à travers enfin un âne, voilà. Donc du coup voilà, il a tout cet enrichissement en fait des échanges purement cinéma aussi qui a beaucoup aidé Lé aussi à mener à bien ce projet avec beaucoup d'émotion et avec voilà et plus tard en fait quand Lé réalise des reportages, des films de commentaires et reportages pour la télévision. J'essaie toujours de voir en fait. Et moi, je trouve que il y a quelque chose que Lé a pu s'inspirer en fait du cinéma et pour injecter dans les reportages ou dans les œuvres destinées à la télévision, c'est le silence. Dans un film ou un film, le retrouvaille d'une fille, d'une vietnamienne. Une retrouvaille entre la fille maintenant qui se retrouve aux États-Unis et
et sa mère biologique. Bon, bref, enfin, du coup, enfin, moi, j'ai trouvé extraordinaire. J'ai vu ce film-là juste récemment. Le film a été diffusé à la télévision dans les années 2019 ou 2020. Et j'ai trouvé extraordinaire que dans un monde où maintenant, on est tout le temps dans l'action et dans le flux d'images. Et le silence est installé dans ce reportage et est très beau et est accepté par le public. Le reportage ou le court-métrage a eu un succès à la télévision, etc. Donc j'ai trouvé génial cet enrichissement entre le journalisme et le cinéma documentaire, le cinéma, le langage du cinéma. Oui, parce que ça, c'est une particularité des ateliers des films. Et peut-être, Sylvie, tu peux nous en parler, le fait que ça a été fait essentiellement avec ces ateliers, avec des gens qui avaient une formation de journaliste. Oui, en fait... En fait, cet atelier, si je me trompe pas, parce que ça fait quand même assez longtemps, il a été créé aussi grâce à Lé, en fait, qui travaillait à la télévision de Danang et qui donc souhaitait. Donc, dans le nord, à Hanoï, il y en avait eu aussi dans le sud, à Ho Chi Minh Ville. Et là, à Danang, il n'y avait encore rien eu. Je crois que c'était le premier. Il nous paraissait très intéressant de pouvoir comme ça géographiquement tracer aussi. Du Vietnam, quand Lé a décidé donc de créer cet atelier, enfin faire appel aux ateliers Varan pour poursuivre en fait cette initiative qui avait été initiée de films documentaires, il est apparu que c'était vraiment essentiel de le faire à Danang, et même ceux qui étaient de Hanoï ou de Ho Chi Minh Ville avaient ce désir, parce qu'en fait la puissance qui s'était dégagée des autres films au niveau de la mémoire et au niveau du récit de l'intérieur et la réaction justement des Vietnamiens même qui réagissaient à cette découverte, hein, parce que nombre de films qui avaient été réalisés dans les ateliers étaient aussi une découverte pour les Vietnamiens eux-mêmes, c'était donc une opportunité vraiment qu'il fallait réaliser. Et donc comme Lé était journaliste à la télévision de Danang, en fait il était de façon très naturelle, les membres de l'atelier ont été pour la plupart et même je pense pour la majorité, donc des journalistes de la télévision de Danang. D'accord. C'était la question ? Mais pas uniquement, parce que je crois que c'est à la suite de ce film, c'est à sa suite de ce film, hein, que Lé a organisé un atelier à Danang. Dans l'autre sens, alors, je me disais bien que la mémoire... Voilà, en 2011, tire 2 ans après, c'est à la suite de ce film-là. Avec là des journalistes. Mais quand même, dès le départ, d'ailleurs les ateliers dès 2004 se sont appuyés sur le studio. Oui, alors mais c'était pas des journalistes là, c'était il y avait des écrivains et ça s'appuyait sur le studio documentaire scientifique de Hanoï. Donc c'était des techniciens qui avaient donc un enseignement de cinéma. Voilà. Et après, c'était sur l'école de cinéma de Ho Chi Minh Ville. Donc, à chaque fois, c'est comme en fait, ça se fait à la demande en fait d'un partenaire. C'est un partenaire qui émet donc l'idée et le souhait de travailler avec les ateliers Varan et de créer un atelier. Donc, suivant le partenaire, forcément, les étudiants, les stagiaires ont un background différent, quoi. Mais alors, tu as abordé justement avec Lé, mais on pourrait en parler aussi avec Tao, au fait qu'il y a eu une sorte de transmission qui s'est faite et que maintenant les ateliers, je crois que Varan, ça se termine en 2012 avec, je crois, celui de Danang est le dernier. Et ensuite, c'est vous qui prenez en charge complètement les ateliers. Donc peut-être tu peux en parler. Est-ce que ça représente pour, à la fois pour vous et pour, dans le rapport avec les Vietnamiens, quoi, l'importance de faire ces ateliers ? Tu en as fait un certain nombre depuis, enfin en tant qu'intervenante, tout en poursuivant ton travail de cinéaste, bien sûr, et de productrice. Oui, en fait, je mesure pas l'importance en fait des ateliers parce que je suis partie prenante, donc du coup c'est trop facile de dire que c'est très important
pour le public. Mais en fait, en tant que réalisatrice, effectivement, on aime raconter des histoires et faire plaisir au public. Regarder un film, c'est d'abord savourer voilà, avec la tristesse, l'illusion, la joie avec les personnages. Ensuite, à travers toutes ces émotions, on commence à réfléchir sur ce que pensent les personnages et voilà, sur les thématiques que traite le film. Donc, en fait, l'exemple de cet atelier dure oui, en fait, voilà. Les ateliers, on a eu, après le film de Lé, deux autres ateliers à Da Nang qui ont impliqué, j'ai pas participé, qui ont impliqué Lé en tant que formatrice, coordinatrice, et impliqué deux autres anciens stagiaires des autres ateliers en tant que monteuse. Donc, Nguyen Thị Thắm, la réalisatrice du film long-métrage Le Dernier Voyage de Madame Phụ, qui a travaillé sur ces deux stages en tant que monteuse, et Phạm Thị Hào, qui a été fait deux stages de communication, et puis finalement, qui ont travaillé dans tous les ateliers suivants en tant que monteur. Donc, du coup, petit à petit, effectivement, on commence à avoir une équipe. En équipe qui joue tous les rôles, producteur, réalisateur, monteur et administrateur aussi. Donc, durant les années 2012 et 2011 et 2012, donc, on a eu, le groupe a pu faire produire un film, notre premier long, le premier long métrage, en fait, de Le Dernier Voyage de Madame Phụ. Voilà. Le film a eu un succès auprès du public vietnamien parce qu'il a été sorti en salle grâce à une actrice de cinéma de fiction très connue, du coup, qui a eu 40 000 entrées. Hein, c'est en 2014. Et du coup, Tham, qui a eu ce succès, qui a eu une reconnaissance auprès des ambassades, et voilà, de la communauté à la fois vietnamienne et internationale, elle a obtenu une bourse du consulat américain pour elle. Et elle a mis ce budget pour mettre en place le premier atelier autonome, parce que elle s'est dit que à un moment donné, effectivement, c'est intéressant aussi que les projets suivants puissent aussi il y avoir des discussions aussi. Comment expliquer? Voilà. Bon, en fait, ça vient d'une idée d'une réalisatrice qui a voulu qu'un atelier autonome soit mis en place pour qu'on s'apprend aussi à être formateur. Voilà. Et donc, du coup, cet atelier a eu lieu à Ho Chi Minh Ville. J'ai été invitée par Tham pour être formatrice principale. André Vanin, des ateliers Varan, nous a rejoint en tant que consultant. Voilà. Et ensuite, Aurélie Carr est venue en tant que monteuse payée au tarif vietnamien. Voilà, à peu près. Voilà, donc, Donc, ensuite, effectivement, ouais, voilà. Et le film de Tham nous a aidé aussi à fonder notre première structure de production. Voilà. Et est-ce qu'on peut dire que dans le... Pardon, Pascal, vous voulez... Oui, quelques mots, parce que Tao est trop modeste. Je voudrais insister sur tout le travail que vous faites. Et tu as utilisé le terme qui, pour moi, est essentiel, c'est l'autonomie. D'avoir eu cette capacité, en fait, d'apprendre et aujourd'hui d'être complètement autonome dans ce que vous faites. Et ce travail de conseiller, de production est vraiment fondamental, parce que ce n'est pas l'utilisation d'un modèle qui vient de l'extérieur. Vous voulez être réapproprié et vous le retravaillez. Et ça, je pense que c'est essentiel quand on fait du documentaire du réel, parce que vous, en étant de l'intérieur, désormais, vous allez pouvoir a fortiori retravailler sur des thématiques qui vous paraissent fondamentales, sur des sensibilités particulières. Il y a un rapport de l'individu à l'image qui est très culturel à nouveau, et ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment essentiel par rapport à ce que vous faites. Donc c'est vraiment l'autonomie, c'est cette capacité de pouvoir parler en interne aussi, ce que disait
Sylvie, je pense que c'est fondamental aussi, c'est faire découvrir le Vietnam aux Vietnamiens aussi, à travers ce film. Combien de gens connaissent réellement le Quang Nam, ils sont allés, connaissent cette langue et comprennent les enjeux locaux. Et à travers ces films, ça montre aussi la richesse et la diversité de la culture vietnamienne et de la transformation de la société. Et peut-être un dernier point, pour évoquer aussi un paradoxe au Vietnam, c'est que si on regarde l'histoire contemporaine, le Vietnam est peut-être le pays qui a été le plus filmé. Mais qui a été filmé par la guerre. Et en fait, on a une représentation complètement transformée de ce qu'est le Vietnam. On a uniquement des images qui sont officielles ou qui proviennent de conflits. Et toute l'image de la transformation de la société vietnamienne depuis 30 ou 40 ans, en fait, c'est grâce à vous aujourd'hui que l'on peut commencer à collecter un petit peu et faire cette banque d'images qui sera fondamentale dans les années qui viennent. Tu voulais peut-être rajouter quelque chose, Sylvie ? Non, je vais juste te dire et approuver vos propos parce que en fait j'ai encadré un atelier d'architecture en novembre et nous avons montré le film de Lé donc à des étudiants de d'une école d'architecture de Ho Chi Minh Ville et de l'ENSA de Strasbourg et ils ont eu exactement enfin je veux dire votre analyse très juste, ils l'ont vécu en direct et le film n'a pas pris enfin est d'une actualité vraiment criante et les réactions qu'on a eu à la sortie du film n'ont pas changé, quoi, sont identiques pour des jeunes qui avaient 22, 23 ans. Quoi. Et c'est d'une force assez incroyable. Voilà, c'est tout. C'est juste pour vous partager que ben voilà, c'est vrai et c'est réel. Juste peut-être une question aussi bien à Lé ou à Tao. Est-ce que ça fait école? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a les jeunes réalisateurs ou réalisatrices d'aujourd'hui, ils imitent ou ils essayent d'aller vers cette forme de cinéma ou alors ils ont d'autres formes d'expression, d'autres manières d'utiliser le cinéma, que ce soit en fiction ou en documentaire d'ailleurs Oui, enfin les... Là, je suis plus modeste du tout. Non, voilà, je rejoins à ce que tu as dit au début, quoi. C'est que cet enseignement, c'est que le cinéma n'appartient pas seulement à ceux qui sont formés dans les écoles de cinéma. Et voilà. Et donc, du coup, dans tous les ateliers, les stagiaires, effectivement, viennent des horizons différents. Une poétesse, une écrivain, un professeur en architecte, journaliste, voilà, etc. Et de tous âges, un photographe amateur, voilà, ce genre de choses. Il y a une influence au début très forte sur le cinéma de fiction, puisque jusqu'à 2000, la prise de son sur les tournages de fiction, on n'a pas de son direct, en fait, qui fait que ça formate un certain type de tournage. Ça veut dire que Sylvie a expérimenté le montage d'un long métrage filmé en 35 mm. Ça veut dire que dès qu'on dit action, il n'y a pas le début avant, il n'y a pas derrière. Donc, en fait, c'est vraiment avec cette pratique, cette manière de raconter le cinéma avec les situations, les séquences, les personnages, qui fait que, voilà, on introduit le silence, on introduit le découpage, en fait, qui n'a pas existé par exemple dans un film documentaire plus conventionnel où il a le commentaire du coup qui relie tous les raccords et qu'il n'y a pas il n'y a pas de personnage. Et maintenant, par exemple, la jeune génération des réalisateurs qui viennent de la fiction qui se fait connus à l'international. Ils ont tous environ 35 et personne n'a été formé dans les écoles de cinéma ou bien ils ont décidé de quitter l'école de cinéma dès la deuxième année. Voilà. Donc du coup, en fait, il a ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, il se fait tard, on a encore deux films à voir, donc on va être obligé de passer. Peut-être une dernière question qui m'intéresse moi personnellement, je ne sais pas si... En regardant ces films, en général, et celui-là en particulier, on voit que la guerre est très présente, alors que le film a été fait 30 ans, à peu près 30 ans après la fin de la guerre. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je ne sais pas qui peut répondre peut-être. Est-ce que la présence de la guerre
dans le cinéma est aussi présente, enfin chez les gens, parce que là on le voit dans le film de Lé, comment ils y font référence, pratiquement tous les personnages, enfin on sent que c'est... Yes, I think the Vietnam War ended at nearly 50 years ago, but the discussion about the war still continuing in Vietnam society, and in cinema is the subjects about the war also a popular subject. Not only with the films that the state put the money in, but also the films of independent filmmakers. And gradually, I think also with the direct cinema, the view angle to the war changed also. Before we look at the war just in sacrification of people, of Viet Cong, who sacrificed for the war. And now we not only spectators, but also everybody see the world in both sides. And especially the voice of people who lost in the war also have a chance for them to speak out. I think it's a change. Before they live as invisible people, but now they have a chance to speak out. They have their voice, their own voice. I think direct cinema influence into the way of filmmaking, the storytelling of filmmakers, and it brings the voice like that out to spectators. C'est évidemment la fonction mémorielle du documentaire qui est très très forte, quoi. Donc, sans qu'il remonte, qu'il fait remonter des choses. Peut-être Pascal ou Tao là-dessus. Pas grand chose à rajouter de ce qu'a dit Lé. Moi, en tant qu'historien, en regardant ces films, bien évidemment, si je fais une analogie, c'est toujours ce rapport entre l'image officielle et l'image privée, ce que l'on donne à voir, ce qui reste caché. Ça fait partie, bien évidemment, de la réflexion historique. Et quand j'évoquais ce paradoxe du Vietnam qui a été filmé et qui a été filmé uniquement par les guerres, c'est qu'on reste uniquement, en fait, dans l'image de propagande, une image politique qui doit transmettre un message. Et Varan prend complètement le contre-pied de ça. C'est le Vietnam authentique. Pour ceux qui connaissent le Vietnam, regardez le film, on entend le Vietnam, on le sent presque physiquement, en fait, parce que ça, c'est présent. Et donc, bien évidemment, qu'il y a tout ce travail sur l'histoire qui continue à être produite, de rééquilibrage, de vision plus complexe de ce Vietnam. Lé l'a évoqué entre, bien sûr, cette partition ou autre. Moi, j'insisterai sur un point qui reste encore un angle mort de la recherche historique au Vietnam, c'est faire ce que font les ateliers Varan en histoire, c'est-à-dire faire de l'histoire de la vie quotidienne. Et c'est ce que les Vietnamiens espéreraient pouvoir lire aujourd'hui. Comment on vivait il y a 50 ans, comment la cuisine a changé, comment la musique a évolué, etc. Dépasser l'idéologie et comprendre un petit peu l'ensemble de ce que font les anthropologues et les sociologues sur le contemporain, mais dans le temps passé. Et ça, c'est un défi aussi. Et pour ça, enfin, c'est pour ça que j'insiste à nouveau sur ce travail qui est produit par le documentaire, qui n'est pas uniquement un focus sur l'actualité, mais qui devient aussi une source vraiment visuelle, dans le terme fort de l'histoire, qui va jouer son rôle après dans une transformation de la conscience historique aussi. Donc c'est quelque chose qui est essentiel. Et quand on connaît le Vietnam aussi, tous les enjeux actuels sur le patrimoine, sur l'héritage, est quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, l'image devient un patrimoine en tant que tel, quoi. Tu veux rajouter quelque chose ou on passe
aux deux films qu'on va voir. Non, tu voulais parler, peut-être dire quelque chose. Oui, bah voilà, j'ai la dernière phrase, peut-être pour faire la publicité sur les films qui seront présentés les jours suivants. Mais en fait, on a eu la chance, effectivement, on a eu la chance d'avoir un formateur qui restait toujours présent et fidèle à nous depuis 2004 jusqu'à son départ, et qui fait qu'on a eu la chance, en fait, d'avoir pérennisé en fait ces ateliers, qui fait que effectivement, nos films, que ce soit des films d'atelier ou les films produits, témoignent en fait de la transformation de la société contemporaine à travers les questions essentielles, la maladie, hein, parce que le Vietnam a aussi, comme d'autres pays, a traversé la crise du sida, la question du genre, hein, à travers un film qui suit la transformation d'une transgenre, à travers la pauvrisation culturelle de la campagne, hein, à travers un film sur la fête foraine des transgenres, des homosexuels, des gens à la marge de la société qui n'a le droit de se produire que dans les villes de la campagne et pas dans les deux grandes villes le plus important du pays. Et finalement, notre dernier film produit par nous, le dernier long métrage, ce serait peut-être le premier film vietnamien dans lequel on entend le dialecte. On entend comment nos citoyens Hmong parlent dans leur langue, et c'est nos citoyens, et voilà, etc. Donc du coup, effectivement, la traduction continue dans l'idée de découvrir la variété, la richesse à travers les accents, la parole et les personnages, quoi. Le dernier film, ça vient de la montagne, de l'ethnie Hmong, et ce serait en deux langues, vietnamien et Hmong, pour la première fois. Formidable. Bon, merci. Donc, j'ajoute, les films seront présentés tous les jours. Oui. D'ici dimanche, voilà, au musée Guimet, où la salle de projection, elle est vraiment très très belle. Voilà, bon, merci pour cette promotion. Attends, ne pars pas tout de suite. On a encore deux films à voir. Alors, la personne dont tu parlais, c'est évidemment André Vanine, qui a été à l'initiative, il y a Emmanuel Baud qui nous a rejoint, qui est là avec Sylvie. Mais André, il a embrassé ces ateliers successivement. Et alors, donc, on va voir pour terminer deux films. L'un qui est le premier atelier dans lequel était Lé, mais ce n'est pas le film de Lé, c'est un autre qu'on va voir. Et puis, un qui est beaucoup plus récent. Alors, celui-là est de 2004. Je ne vais pas prononcer, mais tu vas te dire le... Oui. Hein, dans le quartier de... Ah oui, Trong Làng Thành Công, Có Phường Thành Công. Voilà. Et le second, par contre, c'est un Lune sur la briqueterie, ça je peux le dire, de Lê Tuân Minh. Lê Tuân Minh, oui. Voilà, et là c'est un film qui a été réalisé très récemment dans un atelier que tu as organisé, je crois que c'était avec Tam. Oui. D'accord, tu peux en parler peut-être. Oui, notre dernier atelier, c'est l'atelier qui se déroule à Cantor, dans la ville du Delta du Mekong, et que on a voulu en fait que ce soit un atelier où on faisait travailler les formateurs vietnamiens que je représente et les formateurs des ateliers Varan, André, Sylvie, Aurélie. Et finalement, l'atelier a eu lieu en pleine crise du Covid. Et André, finalement, était content que dans cette malchance, finalement, nous serons obligés à réfléchir par nous-mêmes comment organiser un atelier, comment recruter les stagiaires, comment mener à bien un atelier de 3 mois. Et par contre, j'ai eu l'idée d'organiser pendant 1 mois par Zoom une conférence où André expliquait la pédagogie à Tam,
l'autre réalisatrice qui, voilà, parce que j'ai eu une position très privilégiée. J'ai travaillé en tant que traductrice pour le formateur, traductrice pour tous les monteurs, et ensuite comme stagiaire, comme formatrice, coordonnatrice. Donc du coup, en fait, cette pédagogie, je l'ai appris de André Van In au fil des années. Et donc du coup, pour le premier atelier mené par deux réalisatrices anciennes, voilà, stagiaires des ateliers précédents, du coup, j'ai voulu que c'est voilà, et qu'il y a vraiment un mois en ligne de travail de pédagogue, en fait, et d'apprendre les bases de voilà, comment, ouais. Bon, je regrette que Tamine ne soit pas là pour vous raconter ce mois extraordinaire où, de temps en temps, elle m'a refait le cours en vietnamien et j'ai trouvé ça très, très, très beau. Voilà. Comment expliquer aux stagiaires, comment... Je suis désolée, ça reste trop abstrait pour vous, donc je n'ai pas voulu développer plus, mais voilà. Donc le dernier atelier, il a été réalisé dans des conditions difficiles, voilà, entre les deux confinements. Du coup, les stagiaires n'avaient pas tant de liberté, voilà, parce qu'on n'osait pas de les envoyer loin s'il y avait le Covid, voilà, quelque chose de cet ordre. Mais donc il parle de la, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il parle de la tradition, il parle de quelque chose qui est en train de se terminer, le film qu'on va voir sur la briqueterie. Oui. Tu veux peut-être en parler. Bah sinon on va voir les films, les deux films donc. En remerciant tout le monde, vous remerciant d'être là. Donc, on regarde les deux films. Donc, dans le quartier de Tangrin, et l'île de la briqueterie. Merci à tous, à toutes. Merci à tous pour cette projection super riche et très intéressante. J'aimerais poser une question sur le film de Lé, à qui appartient la Terre. Donc Tao, tu as dit que ça a été diffusé à la télévision du Vietnam, non? Est-ce que le film a été présenté au Vietnam? Quelle a été la réaction de la population ainsi que des autorités, surtout les autorités locales de là où il y a le Gonf qui a été construit? Est-ce que le film a eu un impact sur la vie des gens concernés? Et par la suite, est-ce qu'il y a un impact sur la construction? Parce que j'imagine qu'après cela, il y a d'autres terrains de Gonf qui ont été construits. Est-ce que, du coup, ils ont tenu compte de ce mélange, cohabitation entre les gens et le terrain de Gonf? Merci. The film was from a workshop of Varang, Atelier Varang, and the documentary studio in Hanoi. So it's a product of a workshop. So and it's not for TV. So it's have never been screen on TV, and I don't think it affect anything on the policy of golf course building in Vietnam, because 15 years passed by, but the policy of giving the land to the investor to build the golf course does not change. Moi je dirais que la politique en fait de construction là des terrains de golf, c'est beaucoup ralenti ces dernières années. Après, est-ce que c'est un impact du film ou pas, je ne sais pas. Le film, il n'a pas été diffusé à la télévision. Par contre, je me souviens à l'époque, il y avait un festival en ligne, c'est le premier, et qui est très connu par les cinéphiles, par les jeunes.
Et le film de Lay a été en compétition et a eu un prix, le prix du meilleur documentaire, je crois. Suite à ça, il avait beaucoup d'articles de la presse qui parlent effectivement du film, mais aussi du terrain de golf. Donc, il y a encore trois années, quand la salle de cinéma de l'Institut français existait encore à Hanoï, dans la programmation, les programmateurs ont programmé le film et ont fait payer. Hein, c'est payant. C'est pas... Et dans la salle, il y a une cinquantaine de personnes. Je remplaçais les pour pouvoir animer la séance avec... Donc aussi, le film circule de cette manière, en fait. Et voilà. Lé m'a raconté que effectivement, il n'y avait pas la situation de ces villageois ne s'est pas améliorée, par contre. Tức là tình hình ở cái làng đấy thì là đi theo đúng cái chiều hướng đấy đúng không? Du coup, je laisse la parole à Lé de répondre, de raconter en fait ce qui s'est passé à des villageois. Mais tout est dit dans le film déjà, en fait. C'est que, en tant que spectatrice, je me souviens que la dernière parole du chef du village, qui est devenu le gardien du golf et qui a eu une parole qui reflète bien sa prise de conscience, je me souviens la première fois quand j'ai vu à la projection de stage, c'est très fort. Et puis je dis, oh, il a compris qu'il doit jouer le rôle du collabo. J'appelle toujours le collaborateur, mais on est tous plus ou moins comme ça dans la vie et que du coup le sort des villageois, on a compris le film, on a parlé quoi. Peut-être les confirme ça. Mais... When I said that nothing changed, it means the I'm sorry, what did I? The right of owning a piece of land in Vietnam. Why the film has a title "Who Owns the Land?" Because in the law of land in Vietnam, they say that land belongs to everybody. It means nobody. Yeah, everybody is a way to speak that the land belongs to the state. Yeah, and nothing changed. I mean that until now, the right of owning a land in Vietnam is the same, and it makes a lot of problems around the land owning. For example, if an investor come to an agriculture place and they can work with the government and then collect the land from farmers, like in the film you see. Although there's a cái nghị định nữa hay là cái gì đó ở dưới luật á. Thì quy định rằng là phải hai bên phải thỏa thuận với nhau. Dân và nhà đầu tư phải thỏa thuận được với nhau. Nhưng mà thật ra là không có thỏa thuận nào. Le décret de l'État dit que alors entre l'État et les peuples, il faut avoir une convention, c'est négociation en fait entre les deux. Mais en réalité, il n'y a pas de négociation entre le peuple, en fait les paysans et l'État. Une autre question. Three years ago, a professor of the Paris University here asked me to screen the film in the university, and he asked me to go back to this village to make some photos
to have the student have a view today. And I came back and I saw Mr. Bean, the main character, was playing cards with the neighbors. They became unemployment. And the young people grew up and they go to work in the factories, like the workers in Vietnam with the low salary. And on the rice field has become the villas and even the empty land to wait for some people from the city coming to buy and build the house. And the price of land rise every day. Mm-hmm. Mm. Oui, bonjour. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour la projection de ces trois films qui sont vraiment extraordinaires et, comme disait Pascal, très très proches des gens. On peut sentir le Vietnam, entendre, écouter le Vietnam, c'est très beau. J'ai une question sur la soutenabilité de ce cinéma direct au Vietnam. Si j'ai bien compris, ces films sont financés, sont encadrés et sont même diffusés par Varan, par le réseau. Il y a aussi beaucoup de coopération derrière, etc. Mais la question, c'est par rapport aux sources de financement au Vietnam, ou comment rendre ce cinéma soutenable au Vietnam ou reproductible, c'est-à-dire que les stagiaires qui vont venir à Varan puissent, eux, après, refaire ce type de film, les diffuser, trouver un public et développer une culture, en fait, un attrait auprès des jeunes pour le cinéma direct et le documentaire tout court. Donc, est-ce que ce marché-là existe? Est-ce que des sources de financement existent? Est-ce que des boîtes de production de cinéma direct, documentaire, mais cinéma direct en particulier, existent? Est-ce que vous voyez aussi un intérêt auprès des jeunes pour ce type de cinéma et de format? Oui. Bon, pour répondre à votre question, il n'y a pas encore des sources de financement de l'État pour ce genre de production. Voilà. Et au Vietnam, il n'y a pas encore d'investisseurs ou de producteurs pour ce genre de projet de film, puisque c'est compréhensible d'une manière ou d'une autre, parce que chaque projet de film perso prend trois ans. En moyenne, c'est un an ou deux ans de tournage. Quel investisseur qui n'est pas cinéphile et qui il n'y a pas encore de marché, tu vois, voilà, donc c'est compréhensible. Par contre, depuis 2010, dans la région de l'Asie, il y a des sources de financement importantes qui viennent de la Corée du Sud. Avec la création, c'est une volonté de l'État, hein, c'est un festival international, DMZ documentaire, qui a des budgets, enfin des pitchs, en fait, qui organise des pitchs et qui valorise des projets de cinéma des réalisateurs de l'Asie. Donc du coup, effectivement, à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, nos productions, quand on cherche de l'argent pour financer nos films, c'est de là-bas. Voilà. Et ensuite, dans la région, il y a plus de festivals. Il y a Yamagata, qui est un festival très de longue date, documentaire international au Japon. Mais après, c'est DMZ et maintenant en Thaïlande, donc en Indonésie. Voilà, ça s'organise. Voilà, donc il y a ce sort de financement pour les réalisateurs d'Asie. Ensuite, en Thaïlande, par exemple, il y a la fondation Purin. Donc, c'est Purin Pictures qui sont gérés par Purin Pictures, du coup, qui finance les projets codés cinéastes de l'Asie du Sud-Est. Donc, du coup, voilà. Et qui fait que en production et en post-production. Voilà. Et donc, du coup, par exemple, notre dernière production a été mixée par le mixeur de Epichaton. Par cette équipe de production qui a vraiment de l'expérience à l'international et qui ont aussi un goût de cinéma très prononcé, on va dire.
Voilà, donc, et en fait, c'est du coup qui fait que nos productions ont cette particularité. On n'est pas vraiment une société de production comme on peut imaginer en Europe ou aux États-Unis. On est, sur nos propres films, on est à la fois réalisateur et producteur. On est les plus vieux du groupe, on va dire ça pour être simple. Et pour les plus jeunes, du coup, on est... voilà. Ces trois dernières années, moi, j'ai coproduit avec Swan un film d'une réalisatrice du groupe et on n'a pas pu faire autre chose. Et donc, dès que le termine... On n'a pas pu faire autre chose, c'est-à-dire... Oui, c'est marrant. Ouais. Ça, c'est que tous les projets de et que Varan Vietnam, du coup, on produit que ce film-là. Mais le succès, il est énorme. Ça veut dire qu'on est le seul producteur de ce film. Et le film, il a été, depuis un an, dans plus de 100 festivals internationaux. Et que, voilà, de tout... Et le film a gagné 35 prix. C'est un premier long-métrage d'une jeune réalisatrice. Et que le film, il sort en salle en ce moment aux États-Unis depuis quelques mois, à la fois en salle et dans les circuits universitaires, sera diffusé à une télévision publique américaine, et que là, ça sort en salle depuis 2 semaines au Vietnam. Et son distributeur, on a commencé avec une salle de cinéma qu'on loue. Ensuite, toute la communication, c'est par Facebook, par les jeunes. Et du coup, on remplit une salle au bout d'une semaine, on arrive à avoir 16 cinémas tout le pays. Et ensuite, les autres salles commencent à nous appeler directement. Pour une fois, je deviens la productrice star parce que du coup, il n'y a pas de distributeur, donc du coup, etc. Mais du coup, et on arrive maintenant à 8000 entrées. 8000 entrées, et on n'arrive pas encore le deuxième week-end. Hein, donc on a fait un ou deux, je ne me souviens plus, voilà. Et dans la semaine, on arrive à 3e au box-office. Je crois qu'on devant Azam, je ne sais plus quoi, mais bon, voilà. Même si les chiffres, c'est très peu, mais même par rapport à la sortie d'un documentaire en salle en France, c'est un chiffre impressionnant. Et ça continue. Et donc, mais voilà, c'est que. Et en ce moment même, chez moi, on a une ancienne stagiaire du dernier stage qui est chez nous pour décrocher. Parce qu'en fait, elle a commencé son projet de film sans producteur, puisque. Voilà. Et nous, on n'est pas prêts à être producteurs, puisqu'on passe à la réalisation sur notre propre film. Mais en fait, l'esprit de la production continue, et en même temps que l'esprit d'atelier. Et voilà. Donc. Et là, elle déroge, elle prémonte. Et voilà. Et depuis un mois. Un peu comme ces artistes associés, quoi. C'est-à-dire, vous, à la fois, vous produisez, vous réalisez, et les autres se forment à la production. Il n'y a pas une séparation entre le métier de producteur et de réalisateur, comme ça peut être chez nous, quoi. Et là, on s'ouvre un peu, mais peut-être c'est un peu ambitieux, comme on trouve qu'il y a très peu de littérature, entre guillemets, sur le cinéma, sur la réflexion. Il n'y en a pas, quoi. Il n'y a pas de livres traduits, des ouvrages de vulgarisation. Il y en a, mais pas. Et donc, du coup, là, par exemple, on essaye de... L'anneau sur le cinématographe de Robert Bresson, on a la traduction, mais on n'a pas pu encore contacter les Gallimard. Mais en fait, c'est qu'on voulait ensuite passer par traduire qu'est-ce que c'est un cinéma, qu'est-ce que c'est le cinéma de André Bazin. Ensuite, en passant peut-être par un ouvrage sur le documentaire. Bon, voilà. Donc, l'idée, c'est que du coup, ça devient. On n'est pas éditeur, mais le fait que la réflexion vienne de ces ateliers, on voudrait prolonger et continuer, en fait, voilà, dans la distribution et dans la traduction et l'édition des quelques ouvrages de cinéma. Alors, tu n'as pas cité le nom de ce film Successful, et en plus dire quand on peut le voir, parce qu'il va être projeté, je crois, dimanche, dans le cadre du cinéma du réel. Voilà, c'est Children of the Mist. Le film, ce serait
entrée gratuite à partir de 14h au musée Guimet. La scène, elle est grande, mais... Dimanche, oui. Après, samedi aussi, il a de très beaux films. Vendredi aussi. Oui. Mais pour prendre l'exemple du succès, et puis ce qui est intéressant, c'est que même pour la réalisatrice, le succès de son film, elle ne prend pas sur elle. Ça veut dire qu'elle voudrait que ce succès aide à faire comprendre qu'il y a un cinéma documentaire qui existe, qui existe, et que suite à ce succès, on peut du coup continuer à faire ressortir d'autres films qu'on a fait avant en salle et de pouvoir mettre en place le prochain atelier. Grâce au succès de la sortie du film deuxième, son distributeur, dont on n'a pas eu des frais, on n'a que les bénéfices, et que peut-être avec ça, du coup, on va à la fois payer tout le travail des jeunes qui sont en ce moment faire la communication de façon volontaire, de payer celui qui a fait le DCP vietnamien, pareil, sans être, voilà, de pouvoir énumérer toute la chaîne, et ensuite de pouvoir du coup consacrer le reste, les bénéfices, pour mettre en place le prochain atelier. Alors, je voulais juste souligner que l'accompagnement que vous avez fait justement, que tu as fait avec Ziem, donc la réalisatrice, c'était un vrai travail de producteur dans ce qu'est l'apport artistique qu'un producteur amène à un projet. C'est-à-dire que t'as vraiment suivi Ziem dans ses premiers repérages, dans l'analyse de rush qu'elle a ramené de son tournage, et que cet accompagnement a duré quand même plus d'un an avant que le cœur du film émerge. Donc c'est vraiment dans l'esprit du travail d'atelier. C'est pour ça que j'aimerais le saluer, parce que tu vas peut-être pas le dire, un investissement total qui amène à mener la réalisatrice Ziem à faire émerger son film. Et sans ce travail ensemble, le film n'aurait certainement pas pu naître. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est possible de faire du film documentaire au Vietnam. Oui, on n'en vit pas forcément. C'est pas facile, mais quand même on peut. En fait, en même temps, c'est très valorisant pour nous, réalisateurs de documentaires, dans le sens que les personnages, les gens, en fait, sont très généreux à l'image au Vietnam. Ça veut dire que la première rencontre, bien sûr, c'était avec méfiance et tout, mais en fait, c'est très vite, en fait. C'est avec le temps, les personnages adoptent les réalisateurs. Ils nous considèrent soit comme un enfant qui réussit dans leur famille, soit comme quelqu'un, une sœur qui réussit, et que donc du coup, en fait, il n'y a pas du tout de censure au niveau d'un droit à l'image. Ce que, alors que j'ai eu récemment une expérience en tant que formatrice, et ma première fois en France, en Corse, et j'ai intervenu que la partie tournage. Ça veut dire que je suis là pour regarder les roches amenées par les stagiaires, et en Corse, c'est déjà beaucoup plus sympa qu'à Paris. Mais toute la première semaine, les stagiaires ne parlaient que des autorisations, hein. Le personnage, vraiment, c'est que, alors que nous, finalement, depuis 2004, hein, mais en tout cas depuis 2005 où je connaissais, c'est toujours les personnages qui nous protègent. C'est très intéressant. Ça veut dire que même pour nous introduire dans une institution, c'est les personnages. Donc du coup, effectivement, quand on peut avoir un papier d'une télévision, c'est bien, mais on cache dans notre poche. On n'a même pas besoin de présenter, parce que c'est toujours les gens qui nous adoptent et qu'on filme chez eux, et que voilà, que je vois du coup filmer l'intimité, en sachant que c'est tes personnages qui te protègent. Du coup, tu as plus confiance dans la réalisation, presque. Alors qu'ici, finalement, je trouve plus difficile, en fait, pour mes collègues. Dans ce sens-là, oui. Je sens accéder à l'intime. Donc, en fait, là, ce que tu racontes, c'est que vous n'avez pas besoin d'autorisation de tournage au Vietnam. Vous faites sans. Juste
simplement, comme on sait que ça existe et que ça nous... ça nous menote. Du coup, bien sûr qu'on choisit les espaces de liberté autres. Et que du coup, dans ce cas-là, ça porte sur le choix du sujet et de la réalisation, effectivement, aussi. Voilà. Donc du coup c'est ça pour que le cas du film de Lay, moi, je trouve très intéressant. Dans l'idée que, du coup, avec sa position de cadre de presse, mais en même temps, elle fait pas un reportage pour la télévision, elle fait un film documentaire. Du coup, on a les deux. Un film qui se documente en même temps avec la vie, avec sa sensibilité et à travers son regard, du coup, la sensibilité de ces villages. Hein, oui. Bon, voilà. Donc, mais ces films doivent passer par la censure. Donc, est-ce qu'il y a des films qui sont retoqués, qui sont bloqués ou qui sont... Non ? En fait, c'est que paradoxalement, sur l'évolution de la loi sur le cinéma, on a l'impression qu'il y a plus de liberté. C'est les membres de la... Voilà. Imaginons, par exemple, nous, on a fait un film sur le transgenre. Au Vietnam, c'est la censure, c'est tout public. Tout public peut aller voir le film. En France, quand c'est sorti en salle, c'est moins de 12 ans. Et en Corée du Sud, c'est moins de 18 ans. Alors qu'on a fait un film sur la drogue, où il y a des chaînes de seringues. Alors, quand on a diffusé en Corée du Sud, c'est moins de 12 ans. Voilà, donc du coup, la censure, il a le côté aussi culturel. Et que quand c'est plus ouvert en ce moment, c'est qu'on peut dialoguer avec les membres de la censure. Mais administrativement et financièrement, du coup, en fait, on est beaucoup moins libre. Parce que maintenant, un film qui est diffusé sans enfreindre la loi, il faut absolument... déposer la censure. Donc, du coup, même pour les films de l'école de cinéma, hein, les films d'étudiants, déjà, on fait un film d'études sans argent, et maintenant, il faut déposer la censure, il faut que tu payes en plus. Alors, donc, du coup, ça ne te donne aucune envie de le faire. Du coup, et en plus, tu sais que maintenant, c'est interdit de montrer, ou ça peut être interdit, du coup, ça ne te donne même pas envie de montrer, tout simplement. Et les espaces culturels autonome, plus ou moins libre par les ambassades étrangères au Vietnam, c'est fini. Parce qu'eux, ils doivent avoir la censure plus que nous. Alors. Donc, du coup, voilà, financièrement et administrativement, c'est plus compliqué pour nous. Surtout, le documentaire est considéré finalement pas comme le cinéma. Ça veut dire que en fiction, long métrage, tu peux déposer au département de cinéma. Ou quand même les membres du jury, des censeurs, c'est les collègues, ils connaissent le métier. Donc, du coup, malgré tout, il y a une certaine compassion. Et que, alors que pour le documentaire, il faut demander au service culturel de la ville, qui n'a pas l'habitude de ce genre de et donc, du coup, une fois, on a eu la réponse, mais très polie, de ce comité de censure de la ville. Mais grosso modo, il dit ni non ni oui. C'est ça le problème, parce qu'il s'agit d'un film sur une question sensible, sur le devenir transgenre. Donc, du coup, ils n'osent pas dire non plus qu'on interdit. Mais du coup, ils censurent, il faut enlever la scène où le père fume, parce que le tabac est interdit sur la représentation. Et ensuite... selon les commentaires, du coup, il faut changer le film. Du coup, tu t'as dit ni oui ni non, mais il faut que tu changes le film. Donc, c'est beaucoup. Et voilà, quand c'est compliqué, c'est plutôt ça. Mais en même temps, le film de Ziem, par exemple, les membres du jury ont adoré le film. Donc, j'ai reçu les coups de fil direct des membres du jury, des censeurs, pour dire qu'on soutenait le film, parce que c'est un très bon cadreur et c'est un très bon réalisateur qui est dans la... Voilà, donc du coup, au Vietnam, c'est ça, en fait. Il faut savoir passer entre les lignes. Et que, oui, on peut trouver des espaces de liberté. Ouais. Mais je reconnais, il faut continuer à lutter pour laisser la place aux autres plus fragiles. Voilà. Donc, du coup, même si on s'est faufilé, mais... Surtout, ça dépend des sujets vraiment. Des sujets qui sont très sensibles au niveau politique. Oui, oui. Là, ça, je suis d'accord. Dès que... Oui, oui.
Oui, après, c'est les choses. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord, oui. Là, on dirait presque peut-être. Oui, je suis d'accord. Oui. Si on aborde de façon la question politique tout de suite, direct, ça doit être difficile. Ou bien tu seras, dissident, tu vois, et ce n'est pas peut-être le choix de pas mal de réalisateurs dans notre groupe, par exemple. Donc, du coup, le fait qu'on est en groupe, du coup, on sait prendre soin l'un de l'autre aussi. Voilà. Voilà. Effectivement, on a un cas où, après un stage, une stagiaire, elle était journaliste, elle avait la carte de presse, elle filmait soi-disant un projet immobilier très important de Ho Chi Minh Ville, qui est considéré comme le Manhattan. Manhattan, elle a filmé ça avec sa carte de presse durant 6 mois. Tout-y-em. Effectivement, un jour, un coup de fil, elle a été convoquée, donnée la carte de presse et virée de façon assez barbare, alors qu'elle a travaillé depuis 6 ans pour cet organe de presse qui est connu, je ne sais pas le nom. Mais par exemple, nous on ne produisait pas ce projet de film, mais on la soutenait. On regardait ses roches et on n'a pas voulu qu'elle soit le martyr du coup. Voilà. Mais les jeunes aujourd'hui pensent différemment de notre génération. Les jeunes ne pensaient pas comme quelque chose de très lourd. Elles n'ont pas peur d'être blacklistées. Enfin, elles ont plus de choix. Depuis, elle fait marathon, distance, elle fait natation, marathon. Enfin, bref, elle est devenue une sportive amateur, mais balèze. Voilà. Elle gagne des prix. Et ensuite, elle a un travail. Et elle choisit de vivre. Pas loin de son village natal, dans le centre du pays. Bon, voilà, tout pour vous dire que tout va bien. Merci. Merci. Bah, peut-être on va dire que c'est le mot de la fin. Tout va bien. Tout va bien. Et donc, on attend les prochaines productions vietnamiennes, des films qui vont déferler sur nos écrans. Merci à tout le monde. Et voilà. Et venez voir Children of the Mist et les autres films. Thank you.